Le sel contre la malchance. Le sel n'est pas qu'un produit pour la beauté ou le nettoyage, gage d'hospitalité et d'amitié, indispensable à la vie, c'est également un puissant purificateur qui a la réputation d'agir contre le mauvais sort, en chassant les mauvais esprits. Méthode 1. Pour se protéger de la malchance et des ondes négatives. Je vous conseille de verser une pincée de sel dans les coins et le seuil de votre maison. Laissez le sel s'imprégner des mauvaises ondes pendant quelques jours, de 2 jours à 1 semaine, puis passez l'aspirateur pour nettoyer ou balayer simplement. Méthode 2. Pour purifier sa maison des mauvaises ondes. Purifiez les pièces en plaçant dans le coin de chaque pièce un verre rempli à moitié de gros sel. Versez ensuite de l'eau jusqu'à 1 cm du bord. Changez l'eau chaque semaine et le sel chaque mois. Méthode 3. Après le passage des personnes négatives, lavez tout ce qu'elle aurait pu toucher à l'eau chaude additionnée de gros sel, et vaporisez la maison d'eau salée. Méthode 4. Purifiez votre corps et votre esprit. Quand le sel entre en contact avec la peau, il enlève l'énergie négative dans l'aura. Pour cela, vous pouvez opter pour un bain de purification, ou une douche, si vous n'avez pas de baignoire. Il suffit alors de remplir une bouteille d'eau de 3 poignées de sel et de verser le contenu en partant du sommet du crâne, le tout, en le laissant couler le long du corps. Il est important de visualiser les ondes négatives qui s'écoulent dans le siphon de la douche. Attendez ensuite quelques minutes et rincez abondamment. Vous pouvez également jeter une pincée de sel par-dessus votre épaule gauche pour vous débarrasser de n'importe quel mauvais sort. Notez que le faire par-dessus l'épaule droite vous apportera encore plus de malchance, ne vous trompez pas. Méthode 5. Apportez de la chance dans votre vie. Pour avoir des énergies positives, lors d'un entretien d'embauche par exemple, vous pouvez placer du sel dans vos poches. Cette technique permettrait ainsi d'atteindre plus facilement vos objectifs et ainsi éliminer toutes les ondes négatives comme le stress,